Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de CrossFit. Vous allez avoir besoin, si vous avez à la maison, de poids. Si vous n'avez pas de poids, vous prenez des bouteilles d'eau de 1,5 litre ou 2 litres, vous les remplissez. D'accord. Moi, j'ai mes poids. Vous pouvez prendre des haltères si vous voulez. Mais il vous en faut deux. D'accord. Donc, on va commencer par un petit échauffement rapide. D'accord. Ensuite, on va enchaîner sur trois mouvements bas du corps. Ça, on va travailler un peu le bas du corps aujourd'hui. Donc, préparez-vous. Allez, on commence tranquillement. Les genoux. Cinq tours dans un sens. Cinq tours dans l'autre. Montez sur pointe. On se met déjà en rythme. On échauffe quand même un peu les épaules. Hein. Important. On change de sens. On va échauffer un peu le dos aussi. On double. On monte les genoux. Talons. On va venir faire des jumping jacks. Encore. Ciseaux ici. On va venir faire des petites fentes sautées, pas la peine de descendre trop bas. Ici, encore. On va chercher sur les côtés. Des petits squats, on monte, on expire, on inspire, on descend. Et on va venir en faire trois en sautant. Hop. Voilà. Trois exercices. On va les faire avec 6 répétitions. Donc le premier exercice, on n'a pas besoin des poids. Les poids, ils restent au sol, pas de souci. Donc là, ça va être fente, sauter, alterné. Donc il va falloir en faire 6. Ici, mon genou ne va pas plus loin que la pointe de pied. Essayez de garder le dos droit. Mon genou n'est pas obligé d'aller jusqu'au sol. Et le but, c'est d'essayer d'être dynamique. Je change. D'accord. Pas obligé de monter tout en haut, mais je veux que la fente soit bien faite, tout au niveau des genoux. Donc 6. Ensuite, on vient prendre un poids, comme ceci, et on va faire des jumping jacks. Donc soit vous avez du mal, vous le prenez comme ceci. Donc 6. Vous pouvez le prendre droit, comme ça, pareil. Donc c'est un mélange de lancer des kettlebells là,
qu'on a déjà fait avec le jumping jack. Donc 6. Ensuite, on vient prendre les deux poids, position squat, et on fait des jump squats. Et on les enchaîne. Donc pareil, si vous ne pouvez pas sauter avec les poids, n'utilisez pas les poids, d'accord? L'important, c'est que les genoux soient soit dans l'axe, soit je vous conseille de les mettre légèrement vers l'extérieur à l'aide des pompes de pied qui sont dirigées vers l'extérieur. Et de bien garder le droit et les fesses derrière. Voilà. Je vous laisse prendre vos poids. Je lance le chrono. Et on est parti. Avec 15 secondes pour se préparer. Allez. 5, 4, 3. C'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Récupère mon poids. Jumping jack 6. 2, 3, 4, 5, 6. N'oubliez pas, on expire en haut, on inspire en bas. Prends mes deux poids, je me place. Comme ceci, et je suis parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je relâche. Repos, on se remet en place. Allez, 4. 2. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jumping jack. Allez. On prend les deux poids. Place bien ses genoux avant de partir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fin du deuxième tour. Allez, 10 secondes de repos. Allez, on peut finir. Allez, allez. C'est parti. 3, 4, 6. Jumping jack. 2. Jump.
Donc 5 tours, c'est parti. Allez, 1. La dernière, la bonus, c'est cadeau.
Allez. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, à fond, à fond, à fond. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, les derniers. On donne tout. C'est bonus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et top. Fini. Les autres ont essayé de rattraper. Ceux qui m'ont suivi, super. Allez. 5 secondes. Après, c'est terminé. Fini. Allez. On va passer tranquillement aux étirements. Donc là, on va utiliser uniquement les membres inférieurs. Donc c'est ce qu'on va logiquement étirer. Donc on commence comme ceci. Voilà. Tranquillement. On relâche. On change de jambe. On relâche. On va venir planter les talons dans le sol et décoller les paumes de pied. On va venir tirer derrière. Je relâche. Pareil de l'autre côté. Je relâche. Ici, je vais venir chercher devant. Ensuite, derrière. On va passer à droite. On revient tranquillement à gauche. On relâche. On va venir. Tend comme ceci et on relâche tout. On remonte et on relâche tout. Voilà, n'hésitez pas à vous étirer un peu plus longtemps si vous en avez besoin. Moi, la séance est terminée pour moi. Je vous félicite encore. C'est que 10 minutes de travail, mais il faut envoyer. D'accord ? L'échauffement, un petit échauffement, mais il y a 10 minutes de travail, mais je vous félicite. Parce que vous voyez que ça travaille quand même beaucoup. Donc, je vous dis à la prochaine. Au revoir.